s'appelle le Title of Drums, on vient de Clermont-Ferrand. On s'est formé en 2014. On se catégorise pas bien, ce serait une espèce de noise un peu plus mélodique en fait, quelque chose comme ça. On y réfléchit pas trop en fait. On a sorti un disque en mars 2020 qu'on a enregistré avec Serge Moratel, qui est du coup un ingé son suisse et qui donc a produit pas mal de groupes pareil qu'on aimait bien dans des genres de musique un peu différents. Year of No Light, Ventura. Et on a sorti ce disque sur plusieurs labels en France, aux USA et en Italie. On travaille avec un nouveau line-up, donc ces morceaux-là, dans l'espoir de pouvoir rejouer en fin d'année. Les retours sur le disque ont été assez étonnants, puisqu'on avait joué le jeu de faire une vraie sortie, ce qu'on n'avait pas forcément assumé à 100% sur le premier EP. Ouais. On s'est bien entouré niveau presse et niveau com, etc. Et après spécialisé, New Noise, par exemple, a eu l'air d'avoir apprécié le disque. Pour nous, c'était surprenant et très agréable, en fait. Nous, on y a trouvé un public qu'on n'arrivait pas à trouver avant, en fait. L'idée, là, ça serait de transformer l'essai en faisant du concert. Voilà, c'est ça. Et de voir si les gens sont aussi réceptifs sur scène. Quoi.